Les gens, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, on est aujourd'hui, on se retrouve pour une partie de Soccer Star. Une partie sans doute à 10 bits, je sais pas, ou peut-être plus, à voir. Non, c'est une partie à combien déjà? C'est une partie comme on fait d'habitude, j'espère que je t'ai pas énervé dans le début de cette vidéo. En faisant un truc qui moi m'énerve de base, c'est les mecs qui parlent super vite au début de leur vidéo. On comprend rien qu'est-ce qu'ils disent, on comprend rien qu'est-ce qu'ils disent les gars. Mais voilà, c'était histoire de, comme ça pour le fun. Donc on commence cette partie à 500 000. Eh oui, je n'ai pas vraiment eu le temps. On tombe sur Rossina, niveau 26. Ouais. Ouais. Bon, espérons qu'il soit bon. Oui, pas trop de mise à jour là actuellement. Pas trop de réponses non plus aux commentaires. On reste assez évasif, n'est-ce pas? Alors cela est-il voulu? Non. Pas spécialement. Ah, il y a moyen. Hein. Il y avait moyen, il y avait moyen, ouais. C'est juste le manque de temps, tu vois, là c'était l'anniversaire de mon fils, il fallait que j'organise tout ça, il avait 10 ans, donc c'est important, tu vois, c'est des trucs qu'il faut, sur lesquels il faut, j'aurais voulu la faire remonter un petit peu plus, mais sur lesquels il faut, voilà, il faut s'investir, n'est-ce pas? Donc je me suis investi, et donc, ah merde, c'est un peu con. C'est un peu con, bon ça va qu'il l'a pas non plus senti et que du coup, il a pas été... non, je préfère lui, tout compte fait. Il n'a pas été très très violent. Bon là, c'est ballon dans le coin, hein. C'est pas très très intéressant lors d'une partie. C'est la partie même la plus chiante, je dirais. Wow, comment je l'ai bien faufilé là. T'as vu ça ou pas? Tranquille, il est faufilé. Bon, par contre, je trouve que c'est pas assez clair de mon côté. Je vais quand même légèrement augmenter tout ça. Voilà, on est bien, on est calé. On est calé, on a vu, donc c'était Sina avec ses gains de 16 millions. Voilà, voilà, Sina qui ne sait plus trop quoi faire. Qui est totalement bloqué, qui a envie de se mettre, mais qui le fait en plus en défense. Tu pars de base d'une formation javelot. Il voulait sans doute la reconstituer. Voilà, tout compte fait, dis non, je vais en attaque. T'as pas tort, c'est bien aussi. C'est aussi plus intéressant pour le jeu, je pense. Là, je pense que tu peux, ouais, perforer tout ça avec la bonne puissance. Ah, c'est pas mal. La façon dont il l'a fait, j'ai trouvé ça pas mal. Oui, donc comme je vous disais, ça va pas être la partie la plus intéressante, hein. Cette partie-là où j'essaye de déloger du coin, lui, il a quand même trois pions là présents. Donc, voilà quoi. C'est un peu n'importe quoi ça. Bon, ça va parce que, en termes de défense, il n'y a pas grand chose. Il y a juste un des pions que j'aimerais virer. Bon, je peux pas vous le montrer, mais c'est le troisième en partant de la gauche, tout simplement. Que lui, j'aimerais bien virer. Ouf, heureusement que je suis pas trop rentré à l'intérieur. Hein. Ça aurait pu être tendu, hein. Là, normalement, il devrait la faire. Aïe, aïe, aïe. Ah ouais, c'est con. C'est con. Là, oui, c'était plutôt un double rebond sur pion qu'il fallait faire. Et ouais, c'est pas forcément évident. Hein, parce que quand tu fais un double rebond sur mur, bon, le mur est droit, tu vois. Donc, tu sais plus ou moins où le ballon va aller. Bah alors, sur pion, c'est chaud parce que, bon, le pion est rond. Et donc, en fonction de la surface où atterrit le ballon... Bah, voilà quoi. Voilà, voilà. Moi, attends, je me réorganise en fait. J'ai besoin que le ballon soit comme ça, tu vois. Normal. Oui, toi, t'avais besoin qu'il soit autrement. C'est normal aussi. Est-ce qu'il peut faire un truc? Ouais, il peut la ramener vers mes cages. Est-ce qu'il est assez bon vraiment pour la rentrer direct là? Non, ouais, ouais, non. Bon, il est niveau 26. Donc, voilà. C'est pas non plus le match du siècle. Faut que je me méfie, là. Parce qu'elle est pas collée. Hein. Si tu regardes, elle est pas collée au bord. Donc, si le gars maîtrise les rebonds et puis machin, il peut éventuellement faire mal. Donc là, on va remonter en défense. Deux pions d'un coup. C'est dangereux, parce que du coup, je lui ai fait des pions qui permettent, surtout celui-là. Heureusement que je ne l'ai pas mis plus proche que ça.
parce que ça permettait de faire rentrer tout ça assez facilement, rentrer le ballon en utilisant justement un rebond sur mon pion. Il se passe bien le gars, il se passe bien, je pense pas que ce soit un niveau 20 dans son premier, ou si c'est le cas, voilà quoi. Waouh, ouais c'est tendu ce que j'ai fait là. Moi tu vois je vais rebondir contre le pion et je rentre. Oh, mais c'est très bien joué. Faut surtout pas que je touche mon propre pion. On est bon, la sortie. Ah là là, mais il attaque bien. Putain, sérieux. Non, mais pas de ce côté-là, mais c'est un truc de ouf. Bon, c'est vrai que je joue que quand j'enregistre en fait sur ce téléphone. Et que là, quand je les prends. Ouais, je vous l'avais déjà expliqué, je vais pas vous reprendre la tête avec ça. Ou pour ceux qui ne l'ont pas entendu, effectivement, quand je suis dans le bord. Pardon, la flèche n'apparaît pas à l'opposé de mon doigt. Ce qui est relou. Elle apparaît à l'opposé, mais pas tout à fait à l'opposé. Tu vois, elle est décalée de quelques degrés, donc ce qui fait que moi, ça me perturbe un petit peu, tu vois. Là, c'est pas le cas, mais c'est plus quand je renvoie vers mon adversaire. Tu vois, est-ce que là, ça va être le cas? Non, là, c'est pas le cas non plus. C'est pas le cas non plus. Ouais, ça me met quand même grave en difficulté. Mais il faut la placer vers le haut là-bas. Parce que je vois pas quoi faire là. Donc je préfère la laisser en stand-by là-bas. Que de tenter de la merde en fait. Remarque, j'aurais pu tenter le coin, mais. Enfin voilà quoi. Donc amorti sur son pion. Et hop. On couvre le ballon. Et on attend. Patiemment, tranquillement. Hop. On met un peu la pression, histoire de dire qu'on est là. Alors, pourquoi va-t-il opter? Ok, ça me permet de la ramener vers ses cages. Mais bon, là, il a toujours moyen de la dégager bien. Ah ouais, bien vu. Ah ouais, oh merde. Ah, c'est dommage. Dommage. J'aimerais bien que là, elle rebondisse. Ouais, non, je peux pas. Je veux pas parce que mon pion il partirait pas. Il partirait pas. Ouh! Ah, je pensais pas. J'avoue, je pensais pas que je pouvais. Sinon, j'aurais tiré plus fort. C'est con parce que c'était pourtant évident. Hein, la plupart me diront, mais ouais, c'était évident que ça pouvait rentrer. Non, non, moi je pensais que j'allais juste la rapprocher. La rapprocher. Ouais, là. Écoute, j'ai pas trop le choix. Hein. Yeehaw! On est parti quand même de l'autre côté du terrain avec ce pion. Non, ce que je voulais, c'est faire rebondir l'autre aussi, taper sur son pion, la faire rentrer, mais c'était un peu juste, tu vois. J'étais pas sûr que ça puisse réellement rentrer. Dites-moi, vous vous en pensez quoi par rapport à ce mec, par rapport à Sina? Tu crois que vraiment c'est un level 26? Oh merde, mais n'importe quoi! Là, on va le voir sur ce tir-là. Franchement, le mec, si c'est pas un level. Ok, c'est un level 26. Ok, j'ai rien dit. J'ai rien dit, ok. Non, sinon il pouvait la mettre. Hein. Là, il peut toujours d'ailleurs. Je même fais un chemin. Il sait qu'il doit passer entre les pions, mais il tente pas. Donc, ouais, non, c'est peut-être vraiment le level 26 du coup. Est-ce que tu tentes là, Coco? J'ai dit Coco? Je redirai plus. Ouais, tu tentes, ouais. Ouais, tu tentes. Bon. Hop là, ce petit temps me permet, moi, de me créer une ouverture dans tes cages pour plus tard venir. Ça, c'était n'importe quoi. On sent bien que, voilà, ça nécessite un tir supplémentaire pour dégager tous ces pions, ce qui est pas du tout rentable en termes de stratégie de jeu. Hein. Là, il y a de la réflexion du côté de Sina. Sina un peu perdu entre est-ce que je dois défendre ou est-ce que je dois attaquer? Là, je te conseillerais d'attaquer, hein. T'as plus aucun pion en défense. Peut-être te mettre un petit peu en défense, je sais pas. Ok, donc après ça, on va dégager ce pion-là.
qui va me permettre de virer. Oh, j'aurais dû virer aussi son pion au passage. Mais en fait, je savais que j'allais le faire après avec celui-là. Voilà. Ce qui en plus lui donne l'illusion d'une opportunité, n'est-ce pas? Parce que là, il y croit. Mais après, c'est déception totale. Donc là, on peut éventuellement utiliser l'angle, je ne vais pas le faire. Je te le dis tout de suite. Je préfère te le dire. Mais ça sert à rien, mec. Non. Je veux pas que tu te places là. Wow. Oh, le mec qui s'est mis en danger. Il a fait bien n'importe quoi. Ah, c'est dommage, putain. Là, c'était le truc à pas rater là. C'était le truc vraiment. Il fallait que tu percutes vraiment à fond mon pion pour que ça fasse quelque chose, tu vois. J'aime bien me faire des petites frayeurs comme ça. Parce que souvent je les sors, mais bien du coin, parce que ça m'énerve. J'aime pas trop jouer dans les coins, tu vois. Donc c'est souvent moi qui la sors. Tu vois, là, par exemple, là, je suis pas. Voilà, je suis pas au paroxysme de mon excitation, tu vois. Je suis même à l'inverse. Je suis pas du tout excité par cette partie quand c'est comme ça. D'autant plus quand le mec met 15 ans à jouer. Là, c'est. Et quand des fois il joue pas. Alors là, c'est. Ouais, c'est le pire. Soit il est en train de manger. Ça m'arrive des fois, donc voilà. Je peux pas non plus. Des fois, quand je fume ma clope, voilà, je suis tranquille. Je prends le temps. Des fois, je discute avec des potes. Ils arrivent au moment où je suis en train de jouer, donc forcément, bah, t'as le temps de concentration. Voilà, c'est pas le même. Mais c'est lourd. C'est tout à fait lourd. Là, tu vois, putain. Donc, je te dis où je la mets. Je vais tirer du côté de mon pion à l'arrière, tu vois. Et tu vois où apparaît la flèche? Est-ce que tu vois ce que je veux dire ou pas? Là, je prends et je tire, mais là, c'est complètement à l'opposé. Je prends et je tire, mais c'est complètement à l'opposé. Ouais, c'est chelou. Je sais pas à quoi c'est lié. Est-ce que c'est l'écran du Samsung qui fait ça? Parce que j'ai pas ça sur mon iPhone, hein. Mon iPhone, il m'a jamais fait ça. Le Galaxy S4 que j'avais avant, là, ne le faisait pas. Le S7 Edge ne me le faisait pas. Je vois pas trop. Eh hey, mec, sérieux, c'est long. Moi, je pense que tu as des problèmes de connexion. Ah, je vous l'ai dit, hein, depuis que je suis en Wi-Fi là, avec Bouygues, j'ai plus les systèmes de déconnexion. Et pourtant, le Wi-Fi, ouais, je vous l'avais dit, il était moins bon. Mais wow, ça fonctionne super bien. J'ai plus votre connexion est lente, mais j'avais ça, mais constamment. Ça, dès que je jouais en Wi-Fi. Ah merde. Ok, problème de connexion. Je suis désolé, mec. Du coup. Ah, ça, en plus 500 000 comme ça avec les déconnexions. Ah, ça m'était arrivé, putain, et ça fout la rage. Ça fout la rage. T'investis bien. Et finalement. J'en fais un autre. J'en fais un autre. Je suis désolé. Le premier était peut-être pas top non plus. Mais voilà. Là, on tombe sur Amine level 106. Oh, ça peut être encore mieux. Hein? Qu'est-ce que t'en dis? Moi, je pense que ça peut être sympa. Je vais utiliser la même défense que lui. Tu vois. Enfin, la même formation plutôt que lui. Ou pas, non. Non, vas-y. Je vais le mettre face à celle-là. Ok. On pète tout, mec. Tu crois que j'allais rester là comme ça? Ok. Bon, on va s'éclater, je crois. 60%. Ok. Mais je te le dis, tu la mets pas. Ah si, tu la mets. Ok, j'ai rien dit. Autant pour moi. On se crée une méga ouverture. On vire tous les pions. Mais comme on est face à Monsieur Blocard. Oups là. On remet ça au centre. Je pense qu'il va la remettre au coin. Bah oui, forcément. Forcément. Alors moi, le but, bien sûr, c'est la virer du coin. Et de faire en sorte qu'il soit obligé de jouer, qu'il n'ait pas le temps de péter ma défense. Waouh! Ah ouais, pas mal. Écoute. On va essayer de ne pas se louper. Ah, non, on se loupe, on se loupe. On se loupe. C'était un peu plus en arrière qu'il aurait fallu la renvoyer.
Voilà, c'est une petite erreur. Bon, rien de méchant. Voilà, je pense qu'il va pas se sentir en danger, que là, il devrait péter ma défense à partir de maintenant. Ah non? T'es chelou. Mec, t'aurais dû, là. Ah ouais. Bon, à partir de maintenant. Voilà, il a pris le temps. Mais il voulait être sûr d'être bien, bien protégé. Puisque c'est un expert en blocage. Amine, on le sent expert en blocage. Yep. Il sait qu'il est bien défendu. Pas de soucis. Voilà. On te laisse virer le dernier pion qu'il y a dans les cages. Ah non. Qu'est-ce que tu vas faire? Vas-tu me surprendre? Bah non. Il respecte son côté bloqueur. Je sais pas à quoi ça sert parce que là, concrètement, oui, voilà, je pense qu'il y avait dans l'idée une envie d'avancer. Waouh, pas top. Pas top ce blocage. Et là, c'est une belle opportunité pour moi. Il faut juste pas se louper. Et on s'est pas loupé. Donc on a égalisé avec Amine. Ouais. Pas mal cet engagement. Mais je pense que en fait, comme tu vas être en flip, tu devrais pas péter ma défense. Ouais, si. Bon, ok. Je pensais que tu serais trop en flip en fait. Donc elle va passer par le haut. Aïe. Bon, je visais pas tellement le coin. J'aurais préféré qu'elle aille un peu plus haut. Mais c'est pas grave. Est-ce que là j'ai moyen de la faire passer entre? Ouais, mais bon. Plutôt elle la faire passer là. J'aurais voulu la faire passer entre les deux pions. Il y avait un couloir potentiellement prenable, mais voilà. Ok. Alors si je tape celui-là ici, ça va taper l'autre de l'autre côté. Et la balle remonte. Remonte, mais pas au bon endroit. Pas au bon endroit. Donc il devrait la bloquer pour préparer son tir, je pense. Blocage. Oh! Eh, ça fait plaisir, Amine. Ah ouais, des mecs qui tentent comme ça, qui se disent pas, je vais bloquer. Excuse-moi, je retire ce que j'ai dit tout à l'heure. Non, t'es pas un bloqueur, en fait. T'es joueur. Ok. Tu vois, juste sur cette tentative, voilà, le mec, ça m'en a dit un petit peu plus sur sa façon de jouer. Il n'est pas forcément flippé. Il tente. Là-dessus, ouais. Il y a moyen. Voilà, l'instinct reprend. L'instinct du blocage. Mais bon, ça c'est un peu normal puisque là, j'attaque. Alors? J'ai pas de son, moi. Ok. On vire un peu la défense. On attend patiemment. Waouh. On rattend patiemment. Je sais pas, attends, j'imagine si moi j'étais à sa place, je ferais quoi? Je pense que je rentre plus dans le pion en fait. J'essaie plus de faire ressortir, je dirais, le ballon de l'autre côté que de vraiment. Plus fort, ça aurait été sympa. Bah, ça aurait été but en fait. Mais voilà, t'as pas osé. T'as pas osé et. Tu aurais dû. Pas que je touche champion sinon faire de la merde. Fallait juste que je touche le mien. Donc là c'est ce qu'on disait tout à l'heure, le double rebond sur pion. Ah, papa. Ah, c'est chaud quand même.
C'est chaud. Bon, elle irait trop haute s'il la passe en dessous. Ah, pas mal. Pas mal, ouais, bien vu. Bon, ça te l'a juste placé, quoi. C'est pas non plus le tir du siècle. Ok. Là, je devrais, hein. Même si son pion me gêne. Oh putain! Po, 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 po. A-t-il trouvé le couloir et le trou? Non. Non, non, non. Et ça pardonne pas. Mais c'est bien parce que tu vois, il aurait pu mettre botter en touche, mettre de côté, etc. Il l'a pas fait. Ce qui permet quand même d'avoir un jeu un peu plus fluide, un vrai jeu, quoi, tout simplement. Et voilà. Donc c'est un petit 3-1 contre Amine. Amine 60-74. Voilà les gens. Bah, vous savez, je vous avais dit, il y avait des films en préparation. Enfin, des films, des vidéos en montage. Elles y sont toujours. Elles y sont toujours. Je vais arriver à finaliser ces montages. Hein. Franchement, voilà. En plus, mon Mac, il a bien ramé sur les montages précédents. Bon, voilà. Bon, on monte à 13 millions. Comme je l'ai dit, quand j'arriverai à 20 millions, on commencera les matchs Neverland. Donc pour le moment, bah, en attente. Allez, ciao les gens.